Bonjour, bienvenue au Vieux Domaine. Donc je suis Daniel. Vous êtes là sur la Ravine des Cabris, dans une zone. La Ravine des Cabris est une zone de patrimoine, d'histoire et de légende. Une zone riche en fait. Le Vieux Domaine reflète un petit peu ce caractère un peu, je dirais, ancien, un peu mystérieux de la Ravine des Cabris. Il faut oublier que son nom s'appelait à l'époque le Mahavel. Mahavel veut dire le pays des bonnes terres. Mais pour nous les créoles à l'époque, Mahavel voulait dire pays des sorciers, pays des magiciens, et en pur créole, pays gratteux de tibois. Les vieux s'en souviennent encore de cette expression. Les plus grands gratteux de tibois de la Réunion, eh bien, c'était à Mahavel. Le Vieux Domaine, en fait, reflète tout ce caractère de légende, d'histoire. Une très grande propriété, très ancienne, nous suivons la trace depuis 1802, à travers des archives, des actes notariés, mais aussi grâce à des gravures et à des photographies sur plaques de verre. Toute une histoire, toute une légende qu'il s'agit de faire revivre. Comme je vous le disais, le Vieux Domaine est un lieu donc d'histoire. L'histoire de notre pays, l'histoire créole, l'histoire de notre... toute notre histoire est aussi au Vieux Domaine. Cette propriété connaîtra l'esclavage, mais elle connaîtra aussi l'engagisme. Vous êtes là donc dans un village que nous avons restauré, reconstitué, quasiment à l'identique grâce à des gravures que nous avions à notre possession. Et les bois que vous voyez là sont des bois très relativement anciens. Ces maisons ont été restaurées avec les mêmes bois. C'est le village des engagés malgaches. Cette propriété connaîtra effectivement l'engagisme. À l'époque, la propriété qui s'appelait Monsieur Albert Burel les fera venir, ils vont travailler dans ce village-là pour lui. La propriété allait pratiquement jusqu'à la mer. Ces hommes vivaient là, certains vivaient ici, certains vivaient sur l'espace Moulin Café. Ce village, c'est un petit village qui comprend en fait un certain nombre de maisons, 11 maisonnettes, dans laquelle, pas très grande à l'époque, on ne vivait pas dans de grandes maisons. Tout se faisait à l'extérieur, c'était pour la nuitée. Vous avez donc la maison où un élément important dans un cadre de village, et bien c'est là où se faisaient les échanges, la boutique. Vous l'avez là. Alors la boutique, c'était un élément donc d'échange. Le propriétaire à l'époque avait fait l'approvisionnement à Saint-Pierre et puis il vendait ça. Certains s'en souviennent encore que tout se vendait à travers le carnet crédit. On notait tout et en fin de mois, on payait ces gens-là. La boutique, on y vendait de tout, en fait. On vendait à la fois l'alcool pour l'éclairage, on vendait l'alcool pour boire, on vendait le pétrole, on vendait le maïs, les grains, on vendait des tissus, on vendait de tout. C'est un lieu important. La boutique que vous allez voir là va être fermée dans les années 1930-32 à peu près et transférée sur le bord de la route. Cette boutique sur le bord de la route va être exploitée par des Chinois qui viendront sur la Ravine des Cabris, qui va donner les avounes. Ils vont tenir ce commerce pendant un certain temps, puis ils construiront leur propre magasin. C'est souvent des grands libres-services. Toute une histoire à travers la boutique. Si vous regardez au pas de porte de la boutique, à l'entrée de la boutique, vous verrez une petite pièce. Cette pièce est aussi ce qui reflète le caractère créole, notre mélange à nous. Nous avons une culture qui est mélangée. Nous sommes à la fois africains, nous sommes à la fois indiens, nous sommes à la fois européens, nous sommes aussi un peu chinois, nous sommes mélangé, comme on dit, créole les maillés. Eh bien, une petite pièce à l'entrée de la boutique qu'on appelle le zangoun. Tous les créoles vont utiliser ça. Ils mettront à l'entrée de leur case une petite pièce d'argent qu'ils plantent sur le pas de porte pour faire entrer la chance, la prospérité dans la case. Toutes les vieilles maisons, certains s'en souviendront encore, on en mettait à l'entrée des cases. Le zangoun avait aussi, les créoles l'appelaient souvent petite pièce bon Dieu. Parce que Zangoun, c'est un caractère un petit peu païen, donc petite pièce bon Dieu. Et souvent, les vieux créoles vont vous dire « Marmaille, il n'y assise pas sur pas de porte. » À cause, mais parce que quand vous assise sur pas de porte, vous arrêtez l'entrée de l'argent et la richesse, la prospérité. Et puis, il ne fallait pas non plus que les femmes qui étaient enceintes se mettent debout sur le Zangoun, sur la petite pièce, l'argent. Ben, à la naissance, l'enfant aura peut-être des difficultés, cordon ombilical autour du cou, etc. Ce sont des pratiques anciennes. Le forgeron. Le forgeron est un métier d'art. Ici, vous avez donc tout son appareillage. C'est assez vieillot, mais on l'a retrouvé comme ça. Le forgeron fabriquait les outils, mais surtout fabriquait également des fers pour les chevaux ou des fers pour les bœufs, comme il y avait ici. Lorsque le fer était tout entièrement préparé pour les bœufs, parce que c'était aussi l'attelage le plus prisé à La Réunion pour tirer les charrettes, le bœuf était emmené sur le travail, un appareillage ancien, plus de 150 ans.
On faisait entrer le bœuf à l'intérieur, on va le faire monter, on fixait les pattes avant, on va le faire monter avec tout un genre de palan, avec des chaînes, en fait, qu'on va protéger par un sac de jute. Le bœuf va monter, on va prendre la patte arrière qui est concernée, on va l'attacher, on va ferrer. Il s'agit des pattes avant, on va attacher à l'arrière, et on va faire monter le bœuf et on va travailler sur l'axe excentré. Le travail du maréchal ferrant. Une pièce intéressante qui reste maintenant très rare à La Réunion, en tout cas quand c'est encore dans son jus. La maison du Colombe. Le Colombe, en fait, était un chef de village. Nommé par le propriétaire, c'est lui, en fait, c'était un, en quelque sorte un régisseur. Donc il s'occupait donc de faire travailler les gens, de les surveiller, pour sous les ordres du propriétaire. Cette maison est un peu plus cossue, un peu plus belle, mais il faut savoir qu'en fait, elle n'existait plus. Quand nous avons nettoyé le site, il n'y avait plus rien que quelques pierres alignées, mais on a eu la chance de retrouver une gravure ainsi qu'une photographie, parce que là, une des filles du propriétaire était artiste, elle avait fait des photographies sur plaque de verre, et on l'a donc reconstituée. Elle est entièrement reconstituée, à peu près comme nous l'avons vu sur cette photographie. Le Colombe, chef de village, vivez là, et cette maison à l'intérieur, vous retrouverez quelques objets de cette vie que nous avons retrouvés jetés un peu partout sur le site. Vous retrouverez le frigidaire pétrole, le petit salon, vous retrouverez les vieilles tables, vous retrouverez le garde-manger, tout un ensemble qui reflète un petit peu la vie de cette période-là. Il faut savoir, quand nous avons découvert ce site, il était noyé dans une végétation extrêmement importante. Je disais toujours pour faire rire aux gens, pour marcher là-dedans, il fallait un sarbacane. Tout avait été nettoyé, pris sur un certain nombre d'années, et pour les remonter, un certain nombre d'années, pour les tout reconstituer. La couturière, un élément aussi important, les gens, les engagés, recevaient des coupons de tissu deux fois par an, et quelqu'un donc de la zone venait faire pour eux des vêtements. Vraisemblablement, elle le faisait aussi pour le propriétaire. Et son atelier, en fait, était là. Nous l'avons reconstitué. Les bois sont les mêmes, mais c'était complètement pourri. On a retrouvé quelques objets et nous avons eu la chance d'avoir, grâce à des personnes du quartier, donc pas mal de machines, de plein de choses qu'on a pu remettre en place pour reconstituer l'atelier de la couturière. Vous êtes là, derrière moi, vous avez la maison de la laveuse repasseuse. La laveuse repasseuse travaillait en fait juste à côté, il y avait à l'époque une source qui s'est tarie il y a déjà très très longtemps, que nous avons entièrement reconstituée. La laveuse faisait, la laveuse et la repasseuse, elle lavait le linge, vraisemblablement du propriétaire, et puis les repassait. Le cadre de vie est assez relativement sommaire. Vous retrouverez à l'intérieur le lit Courpa. Le lit Courpa, certains des anciens s'en rappelleront, c'était un lit en fait monté avec des bouts de bois et puis des sacs de jus de gonie, hein, et avait rempli de paille. Les gens dormaient là-dessus, et souvent, les propriétaires, de peur qu'on leur vole, en fait, il est cloué. Ça s'appelle un lit Courpa. Si ce n'était pas cloué, on les appelait les lits piqués. Vous trouvez dans cette salle également les fers repassés, tout un ensemble d'un cadre de vie. Sur ce côté-là, vous avez le tisaneur. Le tisaneur, là aussi, quelqu'un qui maniait parfaitement les plantes, une connaissance profonde des plantes. Les gens, à l'époque, n'avaient pas accès à la médecine que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc, c'était des personnes plus aguerries, qui avaient une science, une culture, qui les soignaient à travers les plantes. Le boucan. Le boucan, en fait, est une cuisine. Celle-ci, elle est d'origine. On a retrouvé les vieilles pierres montées, on a changé la paille et le bois. À l'intérieur, vous retrouverez eh ben, cette cuisine d'époque avec les deux pierres assez proches du feu, qu'on appelait, certaines personnes l'appelaient les pierres grand monte, pour les vieilles personnes qui s'asseyaient près du feu pour faire cuire à manger ou pour faire griller le café. Vous retrouvez au-dessus de ce foyer le farfar. On faisait sécher également donc le maïs particulièrement. Et puis les crochets, ben, ils servaient, à, comme on dit en créole, accroche la viande pour faire boucaner saucisses et andouilles. Un endroit de chaleur. C'était le seul qu'on a retrouvé sur le site. Il devait y en avoir d'autres. Mais le seul qui restait encore à peu près en état d'être montré et d'être réhabilité. Le boucan. Le cabinet. Le cabinet. C'est aussi, ben c'est comme ça, hein, il n'y avait pas de toilettes comme nous les connaissons à l'heure actuelle dans les maisons, c'est tout été à l'extérieur à fond perdu. Bon, ici, il y a une particularité. Dans ce cabinet, il y a toujours quelqu'un. C'est un paresseux, il s'appelle Ernest. Il appelle ici, et Ernest la paresse. Il est toujours, quand il y a un travail à faire, dès qu'on lui dit de faire quelque chose, eh ben, il disparaît.
Il passe la journée caché dans le cabinet. Je ne sais pas s'il y est, je vais aller le voir. Alors, je vous parlais de ce fameux cabinet. En fait, c'était un lieu que Ernest avait apprivoisé. Hein. Il y était toujours. Et puis, ben, on va aller voir s'il y est, parce que quelquefois, vraiment, il faut un petit peu le bousculer. Alors, ah ben tiens, il est là, hein, Ernest. Alors, il disparaît à chaque fois.